Shalom, 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 shalom. Connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous. Connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous. Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Hein? Et ça fait un bon moment que je fais les directs. Mais avant cela, nous allons écouter ce cantique très inspiré du frère Mathieu. Et de la chante, le chanteur Mathieu et la chanteur Constance. Et reviens à la maison, c'est un cantique qui m'inspire beaucoup, que j'aime beaucoup quand j'écoute, je suis beaucoup inspiré. Ça me fait réfléchir aussi le retour de Jésus. Voilà. Donc, connectez-vous avant de commencer le message. Et surtout, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et je te rassasierai. Oh mon enfant. Oh non, ça c'est un cantique qui me fait du bien. Oui, viens à la maison. Il arrive parfois que tu peux rétrograder, tu peux t'éloigner du Seigneur. Ou même si tu n'es pas rétrogradé, tu n'as pas rétrogradé, parfois ta foi baisse. Comme la Bible dit. Tu perds ton premier amour et Jésus te dit, reviens à ton premier amour. C'est ce que ce chant me dit, reviens à la maison. Reviens à la maison, viens à la maison. C'est comme le fils prodigue. Je sais que ce cantique est inspiré du fils prodigue qui a pris ses biens et qui est parti. Mais quand le moment est arrivé, il est revenu. Oh là là, ça me fait du bien ce cantique. Vision. Connaissez-vous? Mon enfant, viens à la maison. Oh mon enfant. Viens à la maison. Connaissez-vous? Et partager le direct. Et bientôt nous allons commencer. Et ça a commencé d'ailleurs. Le direct. Les trésors sont à toi. Les trésors du Seigneur, nous sommes héritiers de Christ. Ce qui appartient à Jésus nous appartient dans le royaume des cieux. Oh. Oh mon enfant. Je profite de ce cantique pour parler aux chants de la Côte d'Ivoire précisément et du monde entier. Nous, les serviteurs de Dieu, on a besoin de vous. On a besoin des chants inspirés comme ces chants de chant. Parce que ça nous rapproche plus du Seigneur dans la consécration. Mais malheureusement, nous entendons des choses, des chansons qui n'inspirent pas. Je ne dis pas que eux tous n'inspirent pas, mais la plupart ne sont pas inspirés. C'est pourquoi j'encourage les chanteurs à se consacrer, parce que les chantres ont un grand rôle à jouer dans la maison du Seigneur, dans le sacerdoce. Hallelujah. Nous allons continuer et écouter aussi ce cantique encore très inspiré de Julien et Fimba. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous et partagez la vidéo. Mettez des cœurs. Mon serviteur, quand il fait des programmes, les directs sont beaucoup attaqués. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour avancer. Badenio, hey. Je sais que je suis en train de faire du bien à quelqu'un.
mets les cœurs. Si ce cantique te fait du bien, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Et partage la vidéo. Parce que le thème, Dieu donne ce que tu lui demandes. Dieu donne ce que tu lui demandes, c'est ce que nous allons voir. Ce que tu donnes à Dieu, il va te donner. C'est n'importe quelle prière que nous faisons à Dieu, Dieu nous répond. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que Dieu ne t'a pas répondu. Il t'a répondu pour t'éviter des malheurs. Vous voyez des chants comme ça, ça inspire. Ça te touche au plus profond de ton être. Ceux qui ne comprennent pas, sans baouler, moi je suis Agni, à baouler, Agni se comprenne. Il dit, mon Dieu, viens m'aider. Je fais pitié, viens m'aider. Oh mon Dieu, soutiens-moi. Viens m'aider, Seigneur. Je suis en train de crier vers toi. Oh mon Dieu, viens m'aider. Salut à toi, notre bien-aimé Julien Fimba. Je te prie, Seigneur. Je te prie, je te supplie. Viens m'aider. Viens me soutenir. Je suis en train de te prier. Misreo, niti blao na wakame. Nyamia wakame. Oh la la. Oh, nyamia wakame. Voici cette vidéo en direct, partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Iti blao la wokame. Je te supplie, oh mon Dieu, viens m'aider, viens me soutenir, viens m'aider à avancer. Donne-moi la force pour avancer. Iti blao la wokame. Alléluia. Soyez richement bénis dans le nom précieux, le nom Seigneur Jésus. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Vous êtes en direct sur la chaîne YouTube, la chaîne officielle du prophète Paul Moïse d'Oliveira. Vous tapez prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et sur cette chaîne, vous pouvez trouver plus de, je crois bien, 437 à 438 messages, prédications, annonces, retraites spirituelles. Vous pouvez trouver sur cette chaîne prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et vous allez recevoir tellement d'enseignements. Comme vous le savez, je suis un écrivain. J'ai écrit 7 livres. Et la plupart des livres ont été sujets de séminaires pour beaucoup de personnes qui ont reçu. Et je reçois aussi des appels des hommes de Dieu de partout le monde. Parce que mes livres ont été beaucoup appréciés par les hommes de Dieu, surtout en l'occurrence, et aussi les fidèles. Et je reçois tellement de témoignages de ces livres, des personnes qui sont bénies au travers de mes livres. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais citer quelques-uns. Prophétiser sur votre terre, c'est un livre, je parle de la terre. Les actions prophétiques sur la terre, ce livre vraiment a beaucoup marché. En tout cas, tous mes livres ont beaucoup marché. J'ai écrit aussi un livre intitulé
Les prières qui montent. Les prières qui montent, c'est un livre aussi que je suis en train de faire un séminaire sur Zoom avec des servants de Dieu qui ne sont pas en Afrique ici et qui sont en train de recevoir la bénédiction de Dieu, vraiment qui sont en train de témoigner de ces enseignements. Et le livre Prophétiser sur les eaux, c'est un livre qui parle des esprits des eaux, comment les esprits des eaux détruisent des foyers, comment ces esprits-là attaquent des maisons. Et il y a aussi le livre Sortez de la prison, qui parle de l'âme en prison, la délivrance de l'âme. Voilà. La délivrance de l'âme, c'est la continuité de sortir de la prison. Et il y a aussi le livre Comment tisser une alliance avec Dieu. Oui, ça, c'est aussi un grand livre. Et celui qui a été l'objet de plusieurs séminaires, plusieurs révélations sont dans ce livre. Et également le livre 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Ce livre-là qui est à côté de moi, vous le voyez bien, c'est un livre vraiment de témoignage. Et bien aimé en Christ, je profite pour vous annoncer que le prophète Paul Moïse d'Oliveira a une grande retraite le mois prochain, c'est-à-dire le 7, le 8 et le 9 juin 2024, qui va se dérouler à Assé, précisément dans la commune de Bounoua. Et pour tous ceux qui veulent participer à ce programme, je donnerai le contact dans la description, dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire pour plus d'informations. Je profite pour vous donner, c'est le plus 225 07 08 47 00 60 plus 225 07 08 47 00 60. C'est un numéro en même temps WhatsApp. Voilà, bientôt nous sommes en train de travailler beaucoup pour que la régie puisse mettre les contacts au fur et à mesure que je donne les annonces. Et ça va venir par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. Donc, à ce programme, le prophète traite sur plusieurs thèmes. Le programme, le thème sur la délivrance, le thème sur la restauration, en tout cas, beaucoup de choses. Donc, vous êtes invités à ce programme à venir, à recevoir votre délivrance, à recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse et que le sang de Jésus vous couvre cet endroit où je suis en train de prêcher, que la grâce de Dieu soit sur vous dans vos maisons. Donc, je répète, la date, c'est le 7, le 8, le 9 juin 2024. Et ce programme, tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire vont suivre en direct comme cette fois-ci. La première fois, ce sera en direct sur YouTube et Facebook, par la grâce de Dieu. Et aussi, d'autres personnes qui ne peuvent pas suivre au même moment, vous aurez la possibilité aussi d'avoir ça sur WhatsApp en audio. Et nous sommes en train de voir, au niveau de Telegram aussi comment faire. Donc, vous êtes richement bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, je répète, la date du programme, c'est le 7, le 8 et le 9 juin 2024. À Assé, dans la commune de Bounoua. Nous avons un grand centre de prière de retraite spirituelle et prochainement, je vais vous montrer les images du centre de prière, comment Dieu est en train de glorifier son nom. Et ceux qui pensent que, parce que quand on fait des programmes un peu retirés, les gens se posent beaucoup de questions. Venez, c'est un endroit clôturé avec un grand portail. Le temple, Dieu a fait grâce, tout est carolé par la grâce de Dieu. On a passé des années, plus de 10 ans dans la poussière, mais récemment, Dieu nous a fait grâce d'avoir les carreaux du temple. Donc, ceux qui sont déjà passés pour l'avant-dernière retraite étaient dans la poussière, mais cette retraite passée précédemment par la grâce de Dieu s'était bien passée. Et nous continuons toujours de travailler pour que le centre de prière soit un endroit vraiment bien accueilli. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux, à toutes celles qui ont participé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la construction de ce camp de prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que ce soit le lieu où vous vous trouvez, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous n'êtes plus avec le prophète et que vous êtes parti. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi pour ton soutien. Voilà, parce que la mission
Les gens continuent d'aller un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. Vous qui continuez aussi, vous qui êtes là, je ne cesserai de vous dire merci. Merci à vous qui aidez, qui soutenez pour que l'eau puisse avancer. Je dis merci aussi au peuple de ACP qui, vraiment, pendant plusieurs années, par mon absence, ont pris soin du temple, entretenu malgré qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de clôture, le coin était vraiment très éloigné du village. Et par la grâce de Dieu, par la prière, nous sommes presque entourés des maisons. Donc, ces frères et sœurs, ces sœurs surtout, sont restés fidèles, ont entretenu le temple. Les sœurs de AC, que Dieu vous bénisse, les frères, que Dieu vous bénisse. Ok, c'est juste vous donner ces informations et je vais parler d'un thème. Dieu donne ce que tu lui demandes. Dieu donne ce que tu lui demandes. Nous allons voir ça dans le livre de Psaume, le Psaume 8, Psaume 2, pardon, verset 8. Excusez-moi, je vais me positionner. Je vais me positionner et puis nous allons lire. Connectez-vous et partagez la vidéo, partagez, mettez des cœurs, parce que si vous voyez que ça fait un peu longtemps que je ne fais pas de vidéo, il y a des raisons. Voilà, il y a des raisons, il y avait des raisons de connexion et aussi, il était beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux. Lorsque je commence un direct, les gens signalent, il a fallu beaucoup de temps pour que je revienne. Donc, je compte sur vous, mes abonnés, mes frères et sœurs, vous qui vraiment appréciez les enseignements du prophète par vos prières. Et franchement, je vous demande de partager beaucoup les messages que je donne. Mettez des cœurs, surtout, mettez des cœurs pour que la vidéo soit sécurisée. Parce que vous savez, Dieu m'a oint dans la parole et surtout dans les révélations. Mais vous savez, la Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau. Et une ville située sur une montagne peut être cachée. Donc parfois, la lampe est sous le boisseau. L'ennemi veut t'empêcher pour que ta lumière brille. Mais par la persévérance, je pense que nous y arriverons par vos soutiens. Donc je demande à ce que vous partagez massivement la vidéo, les directs. Si vous voulez que les messages passent encore davantage, je demande de partager pour que la vidéo soit vue par plusieurs personnes. Mettez les cœurs aussi pour que la vidéo soit vue par plusieurs personnes. Donc mes bien-aimés, je vous demande de partager la vidéo pour que nous puissions vraiment atteindre un plus grand nombre de personnes. Je ne pourrai pas répondre directement pendant que la vidéo passe. Je suis en train de suivre ça ici. Je vous dis merci également pour vous tous, vous qui partagez, que Dieu vous bénisse, vous qui mettez des cœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous allons passer à un moment, vous voyez que déjà la vidéo n'est pas vue parce que les gens commencent à signaler. J'ai reçu beaucoup d'attaques sur ça, beaucoup d'attaques. À un moment donné, j'ai failli me décourager, mais vous savez, avec le Seigneur, on ne se décourage pas. Donc, partagez la vidéo, likez, vous likez, vous pompez des cœurs et le Seigneur vraiment va toucher beaucoup de personnes. Ceux qui empêchent la vidéo d'être vue, ce sont des personnes qui sont animées des esprits diaboliques, qui signalent les vidéos du prophète par jalousie, par méchanceté. Voilà. Donc, moi, je pense que le Seigneur est fidèle. Donc, en même temps que vous, je vais partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir. Partager, et nous allons voir le thème. Partager la vidéo. Je profite du moment du partage pour pouvoir... Merci pour les cœurs. Vous êtes formidables pour les cœurs que vous pompez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les cœurs. Le temps de partager, nous allons écouter quelques cantiques inspirés de Dieu pour que ce moment soit un moment agréable. Vous savez, sur YouTube, on ne peut pas mettre toutes les chansons chrétiennes parce qu'il y a des chansons qui sont protégées par des droits d'auteur. Donc, si tu mets certaines chansons, la vidéo, le son peut couper. Tu vas parler, mais on ne va rien entendre. C'est pour cela que je ne joue pas n'importe quel chant, parce qu'il y a des chants qui sont protégés. Il y a des chants qui sont libres. Voilà, on peut jouer, on peut prendre pour accompagner nos,
nos prédications. Et Dieu bénit ses serviteurs et ses servants de Dieu. Donc, je profite du temps de partager. Je vous laisse écouter. Partager. Je suis en train de partager de mon côté. Viens à la maison. Partager. Oh, soyez richement bénis pour les cœurs que vous pompez. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ainsi que Dieu fera descendre des cieux des grandes bénédictions sur vous. Connectez-vous, partagez. Je suis en train de partager de mon côté. Et je vais vous montrer les secrets, comment prier pour être exaucé, comment Dieu peut nous entendre. Et des versets qui parlent l'ouverture des portes. Voilà. Pour le moment, positionnez-vous au psaume 2. À la sœur Benedetta, shalom à vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. Pour la prochaine fois, le prochain direct, ça sera de manière simultanée. Ça va passer à YouTube, en même temps Facebook. Voilà. Mais pour le moment, vous pouvez nous suivre directement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. Ok. Voilà. YouTube et Facebook. Partagez. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que sa bonne main s'étend sur vous. Le Dieu de grâce soit avec vous. Le thème que nous allons voir est intitulé
Dieu t'accorde ce que Dieu donne à celui qui lui demande. Voilà. Dieu donne à celui qui lui demande. Vous savez, tout ce que nous demandons, Dieu nous donne. Il y a quelques conditions que Jésus nous pose. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses s'accomplir. Donc voilà la première condition, demandez au nom de Jésus-Christ, en mon nom, tout ce que vous demandez. Et il dit quelquefois encore, il dit que si tu demandes par la foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc vous voyez, il y a la condition, la première condition, c'est demander au nom de Jésus. La deuxième condition, c'est demander avec foi. Vous comprenez? Et la troisième condition, c'est de vivre dans la sanctification. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, nous allons lire ça avant de continuer. Ésaïe 59, positionnez-vous parce que c'est un enseignement que je suis en train de donner. Il y aura un programme spécial de prière que je vais apporter et le peuple de Dieu va prier avec moi. Et je vais même profiter d'ouvrir le téléphone aujourd'hui, pour ceux qui veulent donner un sujet de prière ou parler au prophète. Aujourd'hui, le téléphone sera ouvert par la grâce de Dieu. Donc, prenons maintenant dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes, ce sont plutôt vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Vous voyez, donc voici une autre condition, c'est-à-dire, si tu es dans le péché, tes prières ne sont pas exaucées, Dieu ne t'écoute pas. Donc, Jésus est venu pour prendre nos péchés à la croix, pour nous racheter. Donc, toute fois que tu veux prier, demande pardon à Dieu, demande au Seigneur de te sanctifier, de te purifier. Voilà. Tu ne sais pas si, en pensant, en regardant, tu as péché. Tu peux te dire que non, je n'ai pas péché, mais tu peux poser des actes sans le savoir, tu peux pécher. Et la parole de Dieu déclare que même la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Donc, ce qui fait que ta prière ne peut pas être exaucée. Mais tout à l'heure, je vais te dire une chose. Dieu nous a fait des grandes promesses. Et si ces promesses que nous écoutons et nous mettons en pratique, nous allons voir la gloire de Dieu. Si tu as pu prier au nom de Jésus, si tu as prié avec foi, tu vis dans la sanctification, il n'y a rien qui va s'opposer à ta prière. Le diable, il nous accuse de foi à partir du péché pour s'opposer à nos prières. Même s'il n'y a pas de péché, il veut s'opposer à plus forte raison s'il y a le péché. Donc, mes bien-aimés en Christ, nous lisons dans le psaume 2, verset 8. Excusez-moi, les gens disent parfois que je suis rapide, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. J'ai fait une année, j'ai fait une émission à une télévision, que je préfère tel le nom. L'heure était tellement courte, de 27 minutes par là, et avant même de finir l'introduction, même, le temps est déjà arrivé. Donc, il m'a fallu courir, prêcher, vite, 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 pour que je puisse avoir le temps. Donc, vous savez, nous, les enseignants, on a eu une petite interruption. Vous savez, nous les enseignants, on n'arrive pas, c'est la caméra qui, il y a des minutes qui arrivent, ça s'éteint, il faut reprogrammer. Donc, je viens de reprogrammer et signalez-moi si le son est bon. Parce que souvent quand c'est comme ça, ça dérange un peu le son. Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi, écrivez-moi pour me dire que vous m'entendez. Parce que pour le moment, je viens de reprogrammer la caméra tout à l'heure. Ok, si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Ok, donc je disais que ça faisait que je prêchais vite pour avoir le temps.
27 minutes parfois, mais ça n'arrive pas. Donc il faut prêcher vite, il faut aller plus vite. Surtout les enseignants que nous sommes. Je suis prophète, mais je suis en même temps enseignant. Donc c'est devenu mon habitude. Donc ce qui fait que quand je prêche, je suis un peu dans l'empressement. Donc j'ai demandé au Seigneur de me repositionner et je pense que ça va aller. Ce qui fait que souvent les enseignements, je suis un peu rapide. Mais avec le temps, ça va aller. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Donc, mes bien-aimés en Christ, nous parlons de la demande. Le psaume, chapitre 2, verset 8. « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous voyez, le Seigneur dit de demander. Il dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on lui demande, c'est-à-dire lui-même, il nous demande, demande-moi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il faut demander. Il faut te mettre en genoux et parle au Seigneur. Seigneur, voici mon besoin, voici mon désir. La parole de Dieu déclare que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Demande à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. J'ai les témoignages des personnes qui ont demandé. Moi-même, j'ai demandé des choses. Il me l'a accordé. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et il ne te donne pas des petites choses. Ici, le psaume 2, verset 8, vous voyez que Dieu ne donne pas de petites choses. Souvent, quand nous sommes dans la situation difficile, que nous demandons à Dieu, nous demandons des petites choses. Des petites choses, des choses insignifiantes. Ce n'est pas normal. Il faut demander des grandes choses à Dieu. Et il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Vous voyez que lui-même, il lui demande. Qu'est-ce que tu veux demander? Il te montre ce que tu dois demander. Il lui demande les nations pour l'héritage. Il n'a pas dit, je te donne un petit champ. Je te donne un billet de 1000 francs. Ou soit... De 50 euros. Il dit, demande-moi de donner des nations. Vous voyez, c'est là la révélation que beaucoup ont compris. Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons que les Abraham n'ont pas demandé de petites choses. Salomon n'a pas eu de petites choses. David n'a pas eu de petites choses. Quand Dieu veut bénir, il bénit en abondance. Il bénit jusqu'à tu es débordé. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous devons demander, il demande, moi je te donnerai les nations pour héritage. Il n'a pas dit un quartier, il n'a pas dit une ville, mais il dit des nations. Il faut demander à Dieu, il ne faut pas avoir peur de demander ce que tu veux. Quand tu veux demander, ne te limite pas, demande. Et il dit encore, les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire partout tu vas partir, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation, les extrémités de la terre, il te donne cela comme possession. C'est pourquoi il dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne ce lieu en héritage. Amen. Je vous donne ce lieu en héritage. C'est très important. Il faut demander. C'est pourquoi le thème, Dieu donne ce que tu lui demandes. Dieu te donne. Il attend ce que tu demandes. Quand Jésus a dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Nous avons lu ça dans le livre de Matthieu chapitre 7. Pour vous montrer qu'il faut demander. Si aujourd'hui, je suis au devant de vous, c'est parce que j'ai demandé des choses à Dieu. Dieu m'a donné. Et il m'a donné qu'il me donne la force de le servir. Et Dieu même a disposé des cœurs à toucher des personnes. Et ces personnes qui ont compris la parole du Seigneur m'ont fait ces offrandes, m'ont fait ces dons. Aujourd'hui, si vous me voyez en train de prêcher, Dieu a permis que j'ai des appareils nécessaires pour le direct. Donc, je bénis la vie de ces personnes qui ont mis le moyen pour que l'eau puisse avancer. Donc, nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Et tu demandes, on va te donner. Tu demandes aux hommes, ils te donnent. Tu demandes à Dieu, ils te donnent. Parfois, peut-être tu as demandé à une personne, tu n'as pas reçu. Cela ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Et quand tu demandes, c'est à Dieu même surtout qu'on doit demander. Et quand nous demandons à Dieu, Dieu touche des cœurs, Dieu nous donne. Parce que l'argent ne peut pas descendre du ciel pour venir. Il y a des cas où Dieu fait ses miracles. Moi, je me souviens,
J'ai lu un livre de Tell Osborne, cet homme de Dieu, évangéliste et docteur Tell Osborne, qui aujourd'hui est auprès du Père, un puissant évangéliste qui avait un programme. Et cet homme de Dieu qui devait faire ce programme, c'était vraiment, il avait besoin de l'argent. Il a prié le matin quand il s'est levé. L'argent dont il avait besoin, l'argent était éparpillé dans sa chambre. Et il a compté, et c'est le montant exact qu'il a demandé au Seigneur. La porte était fermée, la clé était encore dans la maison. Personne n'a ouvert la porte pour dire que qui va donner, c'est le Seigneur. Dieu fait ça. Dieu exauce de manière miraculeuse. Dieu envoie ses anges pour donner. Dieu apporte. Mais Dieu crée aussi des circonstances pour te bénir. La parole de Dieu déclare qu'il est le maître des circonstances et des temps. Il le met des circonstances et des temps. Parfois, tu entends de réfléchir sur quelque chose. Comment faire pour avoir tel moyen pour faire telle chose? Comment faire pour avoir telle chose pour faire ceci? Mais tu ne sais pas. Et Dieu crée des circonstances. Les circonstances se présentent et Dieu ouvre les portes. Moi, j'en ai vu plusieurs fois. Hier, je disais à mon épouse que, parce qu'on devait régler quelque chose, et c'était un moment donné, tout était fermé. Et j'ai vu comment Dieu a créé des circonstances. J'ai vu comment Dieu a ouvert des portes. J'ai vu comment Dieu a porté les moyens. Comment Dieu a disposé des hommes, des femmes. Dieu a disposé des personnes pour venir à notre secours. Vous comprenez? Et ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas. Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Vous voyez? Donc, Dieu dit de demander des nations pour héritage, des nations. Il n'a pas dit, demande-moi un quartier, demande-moi un bidonville. Mais il dit, demande-moi des nations. Même si tu es dans un bidonville, tu peux demander des nations, il va te donner. Tu es dans un bidonville aussi, tu peux demander un quartier résidentiel, tu vas te donner. Parce que Dieu lui-même, là, il veut qu'on demande des grandes choses. C'est pourquoi quand nous lisons dans les Écritures, vous voyez que la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez qu'il envoie son Fils unique, le plus grand des grands, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il envoie sur la terre, et pas pour la nation juive, mais pour le monde entier. Dieu a une vision mondiale, Dieu a une vision internationale, Dieu a une vision céleste. Et il a dit, celui qui croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Vous voyez, donc Dieu nous promet des grandes choses. Rien ne peut se comparer au paradis sur la terre. Rien. Les plus grands châteaux, les multimilliardaires, leurs maisons, tout ce qu'ils ont, on ne peut pas comparer cela à la vie éternelle. Et il dit, moi, Dieu, je vous donne cela en héritage. Bien-aimé en Christ, demande à Dieu, ne doute pas, ne crains point, il va te donner. Ne doute pas, ne crains point, il te donnera. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et c'est lui qui dit. Il a donné plusieurs paraboles dans ce sens-là. Il y avait une femme qui avait un problème qui devait être résolu par un juge. Mais le juge unique ne voulait pas. Mais tellement la femme a insisté. Comment la femme? Là, le monsieur a dit, bon, encore, cette femme, elle m'embrouille, elle me fait perdre la tête. Bon, ton problème, il a réglé. Qui a donné cette parabole? C'est Jésus. Jésus a donné encore une autre parabole des deux amis, dont l'un a reçu des visiteurs la nuit. Et l'autre, c'était celui-là même qui avait des pains. Et il est parti de la nuit frapper à la porte. Il dit, ah, mon ami, j'ai reçu des étrangers, donne-moi du pain. Je vais recevoir mes étrangers. Il dit, oh, mon ami, je dors, je suis fatigué, il faut passer demain matin. Il tape encore. Il dit, mon ami, j'ai reçu des amis, donne-moi du pain. Il dit, je te dis que je suis fatigué. Il tape, mou, 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 mou. Il dit, mon ami, je suis des étrangers. Il a vu qu'il ne peut plus dormir. Il dit, tiens, ton pain, il faut partir. Il lui a donné le pain. Et il est parti. Pourquoi? Parce que lui qui a demandé le pain était dans le besoin. Parce qu'il a vu que les étrangers avaient faim. Il voulait les honorer, il voulait les recevoir, mais il n'avait pas quelque chose pour les recevoir. Il avait seulement son ami qui avait du pain. Son ami qui avait le pain.
Et il est parti. Son ami qui avait sommé, qui était fatigué. Mais tellement il a insisté, Dieu l'a exaucé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un mariage? Insiste dans la prière. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la restauration, la guérison? Insiste dans la prière. Dieu le fera. Dieu se souviendra de toi. Lorsque nous lisons dans la Bible, à la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était paralytique depuis 38 ans. Je dis bien 38 ans de paralysie. Et vous voyez quelqu'un, ça fait, ça dit, si l'enfant est né, où il a l'œil, l'enfant est devenu, c'est un adulte, il a des enfants, mais il est toujours à la piscine de Bethesda, dans l'espoir qu'un jour il sera guéri. La parole de Dieu dit qu'il y a un ange qui venait de temps en temps, pas tous les jours, hein, de temps en temps, et quand l'ange vient, il remit l'eau, et celui qui tombe dans les eaux, qui tombe dans la piscine, reçoit la guérison, quelle que soit la maladie. Je dis bien, quelle que soit la maladie. Donc, le gars était là pendant 38 ans, mais il avait toujours espoir, parce qu'il savait que c'est le seul moyen pour être guéri. C'est le seul moyen, merci, on dit le Seigneur bon, le seul moyen pour être guéri. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est resté. Un jour, Jésus passait par là. La Bible déclare que Jésus, l'ayant vu, il y avait ce jour des paralytiques. Mais Jésus, quand Jésus l'a vu, il a vu que ce temps a duré. Puisque Jésus est Dieu, il connaît la pensée des gens. Il connaît ce qui s'est passé dans le passé comme dans le futur. Dans le présent, connais-tu? Il connaît tout. Il a vu ce temps. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, non. Je n'ai personne pour me faire tomber dans l'eau. Quand l'ange vient remuer l'eau, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Vous avez vu que cet homme a inspiré, il a aspiré la guérison. Il a reçu la guérison. Voici un homme encore, Bartimée, qui était aveugle. Fille de Timée qui était aveugle. Jésus passait par là. Mais tellement il a insisté, il a dit, tais-toi là-bas, non, pour ne pas m'aider le maître. Tais-toi. Il dit, tais-toi, c'est bon, arrête de crier. Il dit, Jésus, fille de David, aie pitié de moi. Jésus, fille de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire la voix. Il y avait, vous savez, quand Jésus marche, il y a la foule. Il y a des gens qui le suivent partout. Les gens parlent. Mais Bartimée a crié au point que sa voix a dépassé la voix d'une foule. Et la parole de Dieu déclare que Jésus a dit, laissez-le venir. Et quand il a vu, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, moi, je veux voir de nouveau. Vous savez, Bartimée, son ardent désir n'était pas l'argent. Son ardent désir n'était pas d'avoir une belle maison. Son désir le plus ardent, c'est qu'il voulait retrouver la vue. Il voulait revoir de nouveau. Et c'est ainsi que Jésus l'a guéri et il a vu de nouveau. Bien-aimé en Christ, je te dis une chose, qu'est-ce que tu as besoin? Demande au Seigneur. Fléchis genoux, parle à Dieu. Fléchis genoux, parle au Seigneur. Il t'exaucera, il t'écoutera, il t'apportera ce dont ton cœur désire. Il n'a pas changé. Il y avait encore une autre femme dans la Bible qui perdait le sang pendant 18 ans. 18 ans. Et vous savez, dans l'ancienne alliance, ce genre de femme ne doit pas aller dans le temple, ne doit pas aller où il y a des hommes, ne doit pas s'asseoir sur un banc. Parce que si elle s'assoit sur un banc, sur une chaise, que toi, tu t'assois à côté, tu deviens impur. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La parole nous dit que cette femme est venue et elle a fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. Parce que si toi, tu t'assois sur un banc, quelqu'un s'assoit sur ce banc, la personne est impure, pourquoi tu vas aller toucher celui-là même qui est le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth? Cette femme l'a touché. A touché Jésus. Et quand elle a touché, la puissance de Dieu est sortie de Jésus, est rentrée dans cette femme et elle a reçu la guérison. Bien-aimé en Christ, Jésus peut te guérir. Jésus peut te libérer. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te donner la délivrance. Jésus peut te bénir. Jésus peut restaurer ton foyer. Jésus peut te donner le mariage. Jésus peut te donner la paix du cœur. Jésus peut restaurer ton ministère. Un jour, je rendrai mon témoignage de mon ministère. J'ai eu tellement de parcours, d'épreuves, de difficultés. Si je n'avais pas le cœur ou déterminé, quelqu'un déterminé, ou Dieu ne m'avait pas donné une femme aussi déterminée, une femme qui est vraiment qui a la crainte de Dieu, aujourd'hui, mon foyer sera brisé. De Dieu encore le ministère, on n'en parlera plus.
Mais tellement nous avons persévéré, moi, mon épouse et moi, on a persévéré. On a été rejeté, on a été humilié, on a été chassé du lieu de prière, du terrain. On ne savait pas où mettre notre tête. Mais nous avons mis notre foi en Dieu. On sait que c'est celui-là qui peut nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas parce que nous cherchons les choses de la terre. Mais Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, même si tu n'es pas encore exaucé, n'abandonne pas la voie de Dieu. Reste attaché à Jésus. Reste attaché au Seigneur. Jésus-Christ te bénira. Jésus-Christ t'ouvrira des portes. Jésus-Christ t'apportera le succès, la prospérité, ce dont ton cœur a besoin, ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices, et te rendra ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et l'éternel agira. Il est le Dieu qui exauce nos prières. Il est le Dieu qui nous écoute. Il est le Dieu qui est toujours favorable à nous entendre, à nous tendre la main. Ne te décourage pas. Sois fidèle au Seigneur. Continue de prier et Dieu t'aidera et t'apportera sa grâce. Bien-aimé en Christ, je vais profiter, amen, prendre au moins, comme c'est un début par rapport au ministère, par rapport au direct, parce que j'aurai des directs où je vais prier pour des personnes, où on va faire des programmes de séminaires, de conférences, et aussi des grands programmes sur des terrains, dans les salles. Mais aujourd'hui, je laisse mon contact pour ceux qui veulent me contacter. Maintenant, ce numéro est WhatsApp. Vous pouvez m'appeler directement, donner votre sujet. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, c'est très important. Voilà. Dans la description, dans le commentaire, j'ai déjà envoyé mon numéro. Vous voyez mon numéro en bas, plus 225. 0708 47 060, c'est un numéro WhatsApp. Donc je suis connecté présentement sur WhatsApp. Tous ceux qui veulent des sujets de prière, tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez m'appeler directement. Je suis connecté et je vais vous répondre. Je vais prier pour toi. Tu peux donner un sujet et ce sujet je vais prier. Je me souviens bien quand j'étais dans cette télé dont je parlais, où je disais que vraiment c'était un marathon que je faisais dans les prédications, il y a des personnes qui m'ont appelé des pays comme la Centrafrique. Et je me souviens bien une dame qui avait un problème de maladie plus de 10 ans. Elle n'avait pas de solution. Elle souffrait terriblement. Et ce n'était pas facile pour elle. Elle est partie à l'hôpital. On lui donne des traitements. Elle fait, mais le mal persiste. Au point même que, quand elle va à l'hôpital, les médecins même ne veulent plus la recevoir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent plus quoi faire. Mais tellement elle insistait, un jour, elle écoutait l'émission que je prêchais sur cette télé. Et quand j'ai prêché, j'ai demandé à ce que celui qui a un mal, le malade, lève les mains. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé, j'ai prié. Cette dame, depuis la Centrafrique, elle a été guérie miraculeusement. Quand elle est repartie à l'hôpital pour les examens, les radios, ils ont vu que la maladie a été guérie. Elle a été guérie et la maladie a disparu. On lui a posé la question, mais quel médicament as-tu utilisé pour recevoir une telle guérison? Elle a dit simplement que c'est Jésus qui m'a guéri. Vous voyez. Donc, pendant des émissions comme ça, tu peux donner ton sujet, tu peux m'appeler, c'est le plus 225 07 08 47 00 60. Tu peux garder l'anonymat, tu peux ne pas dire ton nom, appelle et je vais prier. La première personne qui va appeler recevra une grâce particulière, une proclamation sur sa vie, ainsi de suite, ainsi que tous ceux qui vont suivre. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je vous attends, le numéro WhatsApp est déjà ouvert. Vous pouvez appeler sur ce numéro maintenant. Le plus, regardez dans les commentaires, j'ai déjà mis. Pour la prochaine fois, je suis en train de travailler pour pouvoir mettre ça d'avance, pour pouvoir mettre d'avant pour tous ceux qui veulent appeler le prophète pour les prédications. Tenons pour les prières. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. OK.
Nous allons nous arrêter là. Parce que aujourd'hui, je peux dire que le direct, par la grâce de Dieu, a commencé. L'ennemi a tellement attaqué ce direct, au point que parfois c'est problème de connexion, parfois c'est ceci, parfois c'est cela, mais le Seigneur a rétabli les choses. Soyez richement bénis et que la bonne main de Dieu soit sur vous. Nous allons nous arrêter là. Oui, j'ai un appel, c'est un direct. Je ne sais pas si cette personne m'appelle directement. Oui, allô? Oui, bonjour, professeur. Oui, vous suivez l'émission en direct? Tu vois? Ok, je vous écoute. Je viens tout juste à peine de prendre l'émission en cours parce que, à vrai dire, hier nuit, dans la nuit d'hier aujourd'hui, oui. J'ai fréquemment des attaques au fait des histoires de femmes de nuit au fait. Oui. Voilà. Et donc, quand j'ai répondu ça hier nuit, parce que j'ai l'habitude de prier, je suis fatigué au fait. J'ai l'habitude de prier. Prier régulièrement, mais j'ai comme l'impression que ça ne fait que baisser. Donc, bien quand je me suis réveillé aux environs de minuit par là, donc je suis parti sur Internet. Et quand je suis parti sur Internet, j'ai tapé sur Internet comme ça, comment lutter contre les mariés, les femmes de nuit. Et bizarrement, je suis tombé sur vos vidéos, en fait. Oui. Voilà. Et là, quand je suis tombé sur vos vidéos, que j'ai téléchargé certaines de vos vidéos, et j'ai commencé à écouter les vidéos la nuit, et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai fait un songe. Dans mon songe, c'est comme si je suis parti vous croiser, au fait. Oui. Et quand je suis parti vous croiser, vous avez dit que normalement, vous allez prier pour moi. Et bon, après, il y a eu d'autres circonstances. Puis, bon, je n'ai pas pu prier pour moi et je me suis réveillé. Voilà. Et là encore, tout à l'heure, c'est m'est venu en esprit. J'ai dit, ah tiens, que j'avais dit que j'allais prendre vos numéros pour vous appeler. Et je vais faire encore sur Internet et puis je vous vends en direct. Donc, on peut. Ok, gloire à Jésus. C'est le Seigneur. Effectivement, c'est le Seigneur parce que l'esprit des eaux, c'est un esprit qui détruit beaucoup. J'aurais eu le temps de faire une directe et puis prier pour plusieurs personnes. Mais vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ parce que vous venez d'appeler. Vous appelez directement par du WhatsApp. Ceux qui veulent appeler du WhatsApp, qui ne sont pas encore du WhatsApp, peuvent appeler par WhatsApp. Ceux qui sont encore du WhatsApp, peuvent appeler directement. Donc, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Ok, je pense que le frère est connecté. Je vais prier, même si c'est... Vous ne m'entendez pas bien. Je vais prier, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Fermez les yeux et mettez la main au bas-ventre et une main sur la tête. Je prie pour vous. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance de Dieu l'esprit des eaux. L'esprit de la sorcellerie, les esprits impurs qui se lèvent contre sa vie, je les détruis dans le sang de Jésus-Christ. Je les brise par la puissance de Dieu. Seigneur, toute sémence de l'esprit des eaux dans sa vie, toute sémence de l'esprit de la sorcellerie dans sa vie, soit brisée dans le sang de Jésus, soit rompue par la puissance du sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ, que le sang de la délivrance, que le sang de la restauration libère sa vie. Au nom de Jésus, je brise tout esprit des eaux contre son âme. Je détruis au nom de Jésus. Je déclare et je prononce le divorce entre son âme et les esprits des eaux, entre son âme et la sorcellerie, en son âme et les autels, au nom de Jésus, qui reçoit la délivrance maintenant. À l'instant où j'ai prié que sa maison soit couverte du sang de Jésus, que les anges barricadent sa maison, tout autel qui réclame son âme, qui réclame son sexe, soit consumé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce qu'il a été exaucé dans le nom de Jésus. Amen. Oui, effectivement, mon frère, tu es béni. Vous pouvez aussi envoyer des messages, ceux qui ne peuvent pas appeler, qui n'ont pas de connexion, vous pouvez envoyer des messages SMS, je peux vous répondre directement. Voilà, c'est une occasion à ne pas rater. Et le Seigneur, c'est pourquoi ce frère a fait le songe et il est tombé sur ma vidéo, il a prié, il a fait un songe et après il dit, il va aller sur Internet encore, il tombe sur l'homme de Dieu. Et je suis convaincu que, homme frère, cette prière te fera du bien. Cette prière vraiment libérera ta vie. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse.
Donc, le téléphone est toujours ouvert, le plus 225 07 08 47 00 60. Le plus 225 07. Ok, j'ai un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Masse, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Enfin, ça va pas parce que j'ai été malade et tout. Oui. Je suis encore en période d'ailleurs de maladie. Oui. Donc, j'ai écouté le direct de tout à l'heure sur YouTube. Sur YouTube. Et comme toujours, vraiment, on est béni quand on vous écoute, en fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ah, merci. Amen. Non, et du coup, je profite de l'occasion, puisque vous avez donné l'alerte donc, de pouvoir vous appeler pour prier, pour que vous priez pour nous. C'est pour cette raison que je me suis dit, je vais profiter de l'occasion vraiment pour demander une prière pour moi. D'accord, d'accord. Lequel des sujets? Oui, en fait, je suis, je sais pas, j'ai eu des attaques à mon travail parce que je travaille dans une, enfin, je travaille avec des personnes là, j'ai eu une information aujourd'hui au travail, comme certaines collaboratrices sont venues me dire que ce dont je souffre, en fait, le fait que je tousse beaucoup, c'est une attaque qui est venue du travail, c'est un complot. Ok, je comprends déjà. Ok, ça dit, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est les envoûtements. Parce que, vous m'entendez, hein? Oui, oui, très bien. Ok, ce sont les envoûtements parce que quand c'est comme ça, ça met mal à l'aise, toujours faut tousser, et c'est quelqu'un qui a fait ça pour vous éloigner du travail et passer des moments très difficiles. Je vais prier. Et s'il y a de l'eau à côté, Amen. Vous prenez de l'eau, je vais prier sur l'eau, vous allez boire. S'il n'y a pas l'eau... Amen. J'ai une bouteille d'eau. Ok, Dieu soit béni. Amen. Ok. Amen. Prenez le temps. Prenez votre temps. Voilà, je l'ai là. Ok. Je vais prier, attraper l'eau, je prie. Prenez une main pour attraper. Amen. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus. L'eau, c'est la source de vie. La parole de Dieu déclare tout à l'heure dans le message, je parlais de la piscine de Bethesda. Dans cette piscine, cette femme qui perd, cet homme qui a souffert pendant 38 ans a été guéri par Jésus. Et d'autres personnes sont passées par les eaux, sont guéries. Lorsque nous voyons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Naaman le lépreux s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il a reçu la guérison. L'eau est la source de vie, l'eau guérit. Seigneur, je prie pour cette eau qu'elle a dans sa main. Au nom de Jésus, cette bouteille d'eau, que ce soit le sang de Jésus-Christ qu'elle tient dans sa main, que ce soit le sang de Jésus-Christ, et lorsqu'elle va boire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit guérie et que cette toux disparaisse au nom de Jésus de Nazareth, que cette toux disparaisse au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle soit libre et que sa gorge soit déployée et libérée par le sang de Jésus. Seigneur, je retourne toute action d'ennemi contre elle-même, contre lui-même au nom de Jésus. Que le mal disparaisse et que tous ceux qui ont fait cela, Seigneur, qu'ils voient la gloire de Dieu et que leurs œuvres retombent sur leur propre tête dans le sang de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as guéri ta servante, tu l'as gardée au nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, donc on continue. Je profite de la paix de notre soeur pour dire que j'aurai des moments de prière, des moments de proclamation comme ça. Tout à l'heure, j'ai eu une interruption au niveau de la caméra. Puisque je suis seul, le caméraman n'est pas là. Donc, je gère entre les deux côtés. Donc, comme je le disais, les directs vont continuer. Je vais
je vais vous donner le programme au fur et à mesure que vous m'écoutez et surtout partager les directs. J'aurai des séminaires de prière, des programmes de combat spirituel, des enseignements et nous allons vraiment prier ensemble dans vos maisons où vous êtes, du lieu où vous êtes. Nous allons prier pour que le Seigneur vraiment vous visite parce que le Seigneur est fidèle, il opère des grands miracles. Vous pouvez toujours appeler pour tous ceux qui sont connectés, appeler directement pour que le Seigneur vraiment, par sa grâce, vous visite. Voilà. Appelez, j'ai déjà épinglé le numéro, c'est le plus 225 07 08 47 00 60. Plus 225, c'est un numéro WhatsApp. Plus 225 07 08 47 00 60. Voilà. Vous pouvez appeler sur ce numéro. Ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas besoin d'ajouter le plus 225. Vous appelez directement le 07 08 47 00 60. Vous n'êtes pas obligé d'appeler aussi sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler directement, donner votre sujet de prière. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. Voilà. Ok, je pense que nous allons nous arrêter pour le moment et continuer après parce que je sais que beaucoup ont été bénis par ce temps de moment, ce petit moment que nous venons de passer ensemble. On aura beaucoup de temps de prière comme ça, beaucoup de temps de prédication, de combat, de délivrance. Et j'ai prêché un message sur le mariage. Un petit message, mais avec des prières de combat. Donc, après, je vais mettre ça sur ma page YouTube et Facebook. Pour ceux qui veulent aller sur ma page Facebook, c'est Parole pour les Nations, aussi Prophète Paul Moïse d'Oliveira. Voilà. Donc, vous partez sur cette page et vous allez voir, parce que j'avais créé un moment, j'étais beaucoup attaqué, donc j'avais créé plusieurs. Mais où vous voyez, il y a plus d'abonnés, c'est là. L'autre aussi, Prophète Paul Moïse d'Oliveira. Je suis arrêté en train de prêcher, et puis il y a l'un de mes livres produit sur les eaux que j'ai mis aussi dans le profil. Donc voilà des deux pages qui sont plus utilisées sur YouTube. Il y a des groupes, mais pas trop utilisés. Je ne fais que balancer des messages là-bas. Donc vous aurez franchement des programmes intenses de prière, des programmes de choses. Il y a tellement de témoignages, tellement de choses, mais je pense que par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, vous allez découvrir qui est le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Prophète Paul Moïse d'Oliveira. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez les vidéos, partagez dans les différents groupes, likez quand je prêche et vraiment sécurisez le direct lorsque je commence à prêcher. Parce que mes directs sont beaucoup attaqués. Et c'est quelqu'un qui m'a donné la révélation, effectivement. Et moi-même, j'ai vu des messages que les gens m'emmènent quand je suis en train de prêcher en direct, des insultes. Et je sais que le Seigneur va glorifier son nom. Ok, nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont participé à ce direct, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont commenté, que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aimerais saluer, profiter de ce direct pour saluer quelques personnes qui ont envoyé des commentaires, qui ont mis des cœurs. Je salue Yak, Y, je vois. Je vois aussi Benedetta, Shalom à vous. Je vois Juliette Kungum. Je vois Christine Congo, soyez richement bénie. Je vois Béyanik Diomandé, que le Seigneur vous bénisse. Toujours des personnes qui ont réagi plusieurs fois, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ngoran Axen, que le Seigneur vous bénisse. Edith Chamba, soyez richement bénis. Et tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas pu écrire des commentaires également, que Dieu vous bénisse. Pour la prochaine fois, je demande à ce que vous partagiez beaucoup le direct et commentez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Shalom, à la prochaine fois. Shalom, shalom.